Hey, salut à tous, on se retrouve pour la suite de ce Let's Play Sonic Lost World. Voilà, c'est avec plaisir que je vous retrouve sur un Sonic, parce que je crois que c'est le premier que je fais depuis tous mes Let's Play. Ah, pardon. Ces animaux sont franchement décevants, et vous voulez encore plus bande de bois, rien. Ma déception est extrêmement brutale. Nous n'en avons strictement rien à faire de vous décevoir, maître. Et de ça non plus, on n'a rien à faire. La prochaine fois, apportez-moi le meilleur animal. Voilà, et pas coupé. Sachant qu'on a découvert quelque chose peut-être qui n'était pas dit, j'ai pas fait tous les Sonic, que forcément il y en a plein qui m'intéressaient pas spécialement. Mais le côté, oui, comment il fait ses monstres, en fait, il se sert des animaux, dont on le voyait dans la cinématique dans le premier épisode, j'ai oublié d'en parler, parce que forcément à chaque fois on est coupé, ça en devient un peu chiant des fois. Parce que je trouve qu'il y a peut-être un peu trop de cinématique dans ce Sonic. Donc je sais pas si c'est une bonne chose. Et on se retrouve dans voilà un plage désert très coloré qui a vraiment cette inspiration, je trouve, de Nintendo. Hein. Franchement, on se croirait vraiment plus dans un Mario que dans un Sonic quand je vois un stage comme celui-ci. Je pense à Mario Bros 3 par exemple, avec les signes de Triforce, on les voit bien là. J'avais pas fait gaffe, mais ces petits triangles, voilà, je sais pas. Merde, est-ce que c'était encore une référence Zelda-esque volontairement, encore un jeu Nintendo? Pour l'instant ça passe bien. Alors, je sais pas où aller, là-bas il y a une pièce rouge, je viens de la voir. Ah bah non. J'ai rien dit, c'était des escargots. Mais lol. Là il y avait un truc derrière. Je sais pas c'est quoi, il y avait des chiffres. Des sauts d'anneaux avec des chiffres. Bon c'est pas grave. Voilà, on voit là-haut, il y avait un. Je sais pas si vous auriez le temps de le voir. Parce que voilà, c'est ça, c'est on reste dans le concept Sonic. Sonic ça va vite. J'avais peur au début que ce soit lent ce système. Wow, c'est quoi ça? Des verres. Non, c'est beau, franchement, c'est sympa. Après, peut-être que les mondes intérieurs comme ça sont peut-être pas aussi... sont peut-être pas aussi beaux. J'ai fait de la merde. On va faire un spin dash. Mais... Voilà, ok. Alors on peut faire on peut marcher sur le mur. Ok, 500 rings. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Alors les fameuses araignées qu'on trouvait déjà dans Sonic, hein, on retrouve vraiment les ennemis mythiques de la saga. Là-dessus, hein, rien à reprocher. Alors par contre, je vois qu'on peut redescendre par la droite. Ah oui, d'accord. Pour avoir... Il y a quoi, une dizaine d'anneaux? Je sais pas si ça vaut le coup de perdre son temps pour ça, je le dis sincèrement, je me pose la question. Donc ça je pense que c'est plus pour le spin dash et on s'est fait choper. Voilà, non c'est bon, j'ai sauvé les meubles, comment je ne sais pas. Oh, alors franchement c'est beau parce que c'est pas voulu, j'ai fait tout ça dans l'action. Je trouve ça joli, c'est pas toujours évident hein. Wow, 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 wow. Voilà, merci. Mais non. D'accord, ah oui, j'ai voulu faire select, mais comment je l'enlève? Voilà, j'appuie. Moi, ce que je voulais voir, c'est Divi, mais c'est pas ça, je voulais voir les anneaux rouges, en fait. On a les deux premiers. Ouah, ça pue le caca. Voilà, je le disais. Le truc enflammé, là, c'est chiant. Bon, les anneaux, ça a l'air d'aller. Bah, si j'ai pris la bonne route, je crois qu'il y avait... Ah bah non, il y a un pouvoir, qu'est-ce que c'est? On l'a pas encore vu ce pouvoir, on va le tester. Je veux dire, voilà, autant en profiter. Où ça mène ça? On va voir, franchement, on va tester ça. Je ne sais pas ce que c'est. Ah bah j'ai carrément raté. Il y avait... Ah d'accord, on a un spin dash. Ouais. Ok, j'ai pas trop compris, mais c'est pas grave. Regarde, parce que finalement, on a tout traversé. Ah ouais, putain. Ah bah. Non, mais d'accord, pas besoin. Respect.
Oh oui, mais il y avait... Attends, il y avait un anneau là. Mais je pourrais pas le chercher. Ah non, c'est le pouvoir, d'accord, j'ai rien dit. Voilà, on va esquiver lui. Non, mais c'est le pouvoir, voilà. On se tait. T'as par contre avancé, c'est la galère ça. Un spin dashé. Voilà, on l'utilise. Bah d'accord, râteau. Je me suis fait ratifier. Ok, on se tape comme ça. Ouais, non, ça avance pas là. J'ai choisi. Ah bah voilà. Ah bah il y avait une vie, mais j'ai pas pu l'avoir. D'accord. Et là, il y a une merde. Ah mais genre, je l'ai pas vu. La saloperie finie. J'ai plus de ring. C'est pas le moment de déconner. Voilà, une ring s'il te plaît, merci. Alors je crois que j'ai raté toutes les dames. Ah, je me suis fait carboniser. Voilà, je récupère une ring. Mais non, mais je récupère une ring pour me faire fumer. Sérieux. Tiens. Voilà, non, on peut passer derrière, mais y a rien. Je me demandais, peut-être qu'il pourrait y avoir une ring cachée, mais c'est pas le truc de Sonic, je pense. Ah, si on prend l'esprit un peu Nintendo S comme ça. Et merde. Ok. Ça commence à faire de la merde. Ah, je fais de la merde, hein, soyons clairs. C'est pas Sonic ou c'est pas le jeu. On est plutôt même sur un bon Sonic hein, pour l'instant. Je trouve que ça passe très bien. Il n'y a rien à droite, ok. Alors là, je vois qu'il y en a 4 avec le mien. Pour quelle raison? Ah d'accord. Petit effet escalier. Mais... Alors ça, il faudra m'expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, d'accord. D'accord, j'ai fait de la merde. Mais non! Je me suis fait manger. Ouah, si tu te fais manger, c'est one shot. D'accord. Non, mais j'ai fait de la merde. Tout ça pour une vie que finalement je ne possède plus. Ouais, il n'a pas voulu remonter, c'est pas grave. Ah ouais d'accord, ça bouffe direct. Moi je pensais genre, voilà, on allait perdre, on allait se faire carotter les rings, mais pas du tout. Bon ça va, le jeu, malgré des boss plutôt simples, on s'en sort plutôt bien quand même. Parce que généralement, ce qui est chiant dans les Sonic, hein, dans les 2D, c'est les côtés un peu labyrinthiques, voilà qu'on se le dise. Hein. D'accord, non mais y'a rien, alors essaye pas de te suicider là-bas. Mais c'est bien ce truc de course. On va essayer de pas se faire écraser, parce que je pense que ça peut tuer. On va laisser passer. Je vais faire gaffe au mec en dessous, essayer de me manger. Ok, on a eu une vie, je sais pas ce que c'était la mission, mais on l'a eu, c'est lui qui nous a mangé, voilà. Il y avait ultra bien. Voilà, ça passe. On va essayer de monter, voilà. On a quand même 3 pièces rouges ici. Alors je sais pas ce qu'il y a là. Voilà, cette limitesse du truc. Ouais d'accord, non mais c'est bien. Bonjour, je suis un jeu qui propose des bumpers, mais on est dans un monde où on n'en a pas besoin, je vais me faire manger. Voilà, j'ai rien dit. Tais-toi, s'il te plaît. Calme-toi, quelle pression, ce stage. Un stage plus long, quand même, à noter. Ah, je sors, je pense pas qu'il fallait sortir, il y avait peut-être un chamarreau. Mais là, ça devenait compliqué. Mais un stage beaucoup plus long, hein. Ça fait plaisir. Alors, on va choisir un côté. Hein. Calme-toi. Pastèque, cactus, je ne sais quoi. S'il vous plaît. Ok. Bon, je sais pas si c'est nécessaire de faire ce que je fais, mais... Non, non, te fais pas emporter. S'il te plaît. Voilà, on s'en sort plutôt bien. Non. Ouais, par là. Là-bas, il y a les pics. S'il te plaît, ne fais pas de la merde. Ah ouais, non mais ça, c'est dégueulasse. Voilà, je le dis. Voilà, c'est bon, j'ai loqué le bon tout de suite. Mais il y a eu dégueulasserie.
Alors, il y avait peut-être un truc là-bas. Voilà, c'est bon. Là, c'est passé direct. Merde. Ouais, c'est bon. Oh, ce bordel. Ah, par contre, ah, bah, on a la fin. C'est joli parce que quand on est bloqué par un décor, on a un effet de loop pour voir à travers. Ça, je trouve ça assez sympa. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Voilà, donc on a fini, c'est quoi, seulement le premier niveau. On est à 10 minutes, je crois que j'ai traîné un peu. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai déconné un peu dans les ruines. On a eu 3, on a raté les deux derniers. Je sais pas ce qu'on a eu, les 500 ringaoi. Je sais pas ce que ça fait. Ça nous donne des objets en tout cas. Donc on nous demande de quoi? Ah non, j'ai fini. Ah, pas du tout. Ah, j'ai trouvé 3 vies. J'ai pas fait gaffe. J'avoue ne pas avoir fait gaffe. Alors, un monde de ruches, d'abeilles pour ce deuxième niveau. Ah, il y a notre copain. Allons voir. J'ai une requête pour toi. On a 10 vies, donc ça va. Pour l'instant, on s'en sort. Un Sonic qui a l'air quand même un peu plus facile que d'habitude, je trouve. Bon, je sais pas, j'ai pas lu, j'avoue. Mais on est parti. Allez, on enchaîne parce que j'ai un peu traîné. Toi, le gros lard, va donner une leçon à cette petite taille bleue. Hé hey, tu sais que vous appelez gros lard. Toi. Bon, dépêche-toi d'anéantir Sonic et je te donnerai un sandwich encore plus gros que celui-là. Oh bien, sandwich. Oh. Oh. Ok, encore un stage qui part direct, on n'a pas le temps, on a vu le deuxième boss. Je pense que c'était ça, hein. On n'a pas de nom. Ok. Sonic qui prend les comment dire ça? Ouais, d'accord. Non mais d'accord. Il n'y a pas de problème, il y a un truc rouge là. Voilà. Ok, on peut foncer, ça je me rappelle, je crois que c'était dans Sonic des générations déjà. Ok. Moi j'appuie comme un barbare, je le dis. Oh le salaud. Oh le petit saligo. Alors je sais pas si sauter en même temps que je fais mon geste, ce serait pas plus utile. Alors tiens, voilà le fameux, ce que je disais. Oula, oh là là. Ah bah j'ai raté le 2, voilà, désolé. Désolé. C'est pas grave. Là, je vois plus rien. Voilà, je l'ai détruit, on retombe. Merde, j'ai raté, c'est pas grave. Ok, il y a une vie. Il y a une vie, on va essayer de pas la rater, voilà. Ok, putain, ça va vite, hein. C'est Sonic, c'est ce que j'aime. Alors voilà, on va pas se le cacher, ça fait plaisir. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un Sonic comme ça. C'est-à-dire, voilà, qui te donne envie. Voilà, ça nous aide à nous remettre, on va peut-être aller à droite, je ne sais pas, je suis passé à côté, j'ai de la chance, et je me suis fait carotter, et en plus il y avait 3 vies, je les ai ratées. Voilà, merde, je me suis fait crêper avec tout ça. Je savais pas où aller, j'avoue, ça allait trop vite, je ne savais pas où aller. Mais donc j'avais pris un bon chemin, il y avait 3 vies, mais mon saut m'a carotté. Voilà, ok. Donc on reprend, j'essaie de cater. Et là, je pense... Voilà. Ah bah voilà, c'est ça. Où est-ce que c'est là? T'es sérieux? T'as se remettre droit. Il y avait un bumper. Il y a une pièce. Je l'ai pas eu. Il me semble que je l'ai pas eu. Il faut choisir. Oh. Ok, un bonhomme qui fait la gueule. Yeah. On accélère ça. Bon, un stage qui a l'air plus court peut-être, parce que ça a l'air d'être le boss. Bah voilà, gagné. Que je voyais pas comment me barrer en fait. D'accord, il m'a éjecté. Non, d'accord, pas de problème. Bon, on sent le mec qui maîtrise quand même un peu bien les... Wow, stylé ça. Franchement, bonne utilisation, sympa du bloc. Ok. Bon, on peut le toucher qu'une fois d'après ce que je vois. D'accord, il recommence. Ouais, il va faire sans boucle, quoi, c'est ça l'idée. Mais bon, c'est quand on voit son ombre. Ah. Oh, tu n'as aucune saveur.
Ah bah non, tu m'as pas mangé en même temps. J'adore. La plateforme, regardez bien avec la bouche grande ouverte, genre oh. J'aime bien, c'est marrant. La plateforme qui change, alors je sais pas si c'est lié au côté, au face, sachant qu'il y a une face qui n'avait rien normalement. Alors bonne question. Lâche-toi pas trop, s'il te plaît. Voilà, je vais essayer de descendre là. Que va-t-il faire? D'accord, il repart de l'autre côté. C'est dommage qu'il gaspille pas un peu les plateformes, genre quand même. D'accord, non mais t'énerve pas. Bon, ça aurait pu être sympa aussi hein, de rétrécir. Ah bah il est déjà mort, hein. On va toucher quoi, 3 coups. Bon, boss assez simpliste, hein, comparé à ce qu'on peut connaître dans la série. Voilà, c'est terminé, on s'en doutait. C'est comme les deux premiers. Hein. Mais les boss et les mid-boss sont la même chose. Alors j'espère qu'on aura des plus compliqués. Je pense notamment à celui qui peut être leur chef. Comment sont les niveaux de puissance en bot? Niveau de puissance stable. Activation de l'extracteur. On doit juste emprunter un peu d'énergie à la planète. On n'a pas envie de la détruire. Parle pour toi. Ah, lui, il veut la détruire. Elle a l'air bizarre, hein, ce chef. On ne sait pas comment il s'appelle. Voilà, on a fini ce deuxième niveau. Ou un stage cookie et glace. Ok. On est parti, on enchaîne. Un stage, encore une fois, qui rappelle un peu de la laine, je sais pas. Non, ça me fait penser à des fils de laine, ça me rappelle Yoshi. Je sais, je dis que le jeu est très Nintendo. Mais même la musique, c'est pas du Sonic. Ça ressemble à du Mario, sans mentir. Quoi, il y avait un truc là. Non, pour rien. D'accord. Regardez, on mange sur on est sur des gâteaux, ça me rappelle, je crois qu'il y a une course Mario Kart comme ça. Il y a des jeux. Merde, il m'a chopé. Comment je fais? C'est quoi ces ennemis? Alors je bourre, hein. Je ne sais pas comment ça marche. Ok. Stage assez sympathique, mais qui me fait plus penser à un univers Yoshi. Voilà, un peu plus édulcoré, un peu plus... je ne sais pas comment dire ça. Un peu plus enfantin, peut-être. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là-haut. Quoi, je ne sais pas. Bah voilà, il y a un canon. Je ne sais pas si c'est la bonne route. On a l'air de retrouver un peu ce côté Sonic. Des fois où on a plusieurs chemins. Il y avait une pièce rouge, la deuxième, donc j'ai raté déjà la première. D'accord, ça fait plaisir. T'arrives, on me dit voilà, t'as fait de la merde. Ah, ce stop à la Sonic. Ce stop à la Sonic. Tu vas super vite, tu comprends pas ce qui se passe. Et bim, là t'es carotté. Voilà, on va faire comme ça. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Mais non, mais c'est quoi ça? Je veux pas faire ça, voilà, je veux m'en sortir. En fait, faut les loquer, voilà, triple. Pour pouvoir les tuer en un coup. Voilà, non, merci. Voilà, us. On sauve nos amis. Je suis pas sûr, mais si j'ai bien vu, c'est eux qui nous permettent de débloquer les niveaux suivants. Il y a un truc là-haut. Ouais, d'accord, j'ai fait tout ça pour ça. Voilà, je me barre, je me mouille pas. Je le dis sincèrement. Ok, ça passe. Alors je me demande si on pourrait pas aller sur les gâteaux dessus, j'ai l'impression que oui. Hein. Après, est-ce que c'est intéressant? Ça, c'est une autre histoire. Moi je trace, hein. Comme j'ai dit, on n'est pas là vraiment pour le 100%. Le but c'est de s'amuser, de passer un bon moment. Voilà, c'est...
je le dis, c'est un jeu que je voulais vraiment découvrir. Ah merde, je me suis fait crever. J'ai pas fait gaffe. Mais en même temps, je sais pas comment passer ces... Ah oui, on peut remonter comme ça, d'accord. Non, c'est fallu savoir. Mais là, je suis mort dans le premier, de toute façon, ça me change rien. Voilà, c'est compliqué, mais je voulais... Ah, ça... Putain, mais ça fait tellement Donkey Kong, mec. Sérieux? Oh, ça fait trop le passage secret de Donkey Kong dans la montagne. Mais par contre, on rate la... On rate forcément la pièce rouge. Enfin, ça fait un peu chier. Mais ça fait trop ça. Hein. Ça fait trop le passage de la montagne. Voilà, ta gueule. Voilà. Alors, gros problème, c'est que voilà, ça fait ça. Alors, on va faire comme ça. Ok. Ah, d'accord. Bon, là, j'avais pas vu. Bon, ok, c'est la fin. Stage assez sympa, ce petit raccourci, voilà, qui te facilite un peu les choses. On est passé au-dessus des gâteaux, les... Bon, même si c'est pas compliqué. Mais je veux dire, petit clin d'œil à Rare. Au premier Donkey Kong Country. C'est une possibilité, en tout cas, les tonneaux, les trucs là, faisaient penser énormément aux tonneaux. Je ne sais pas comment on peut appeler ça ici, les canons. Voilà, on nous montre qu'il en faut 300, on est à 620, on est largement dessus. Et donc on a fini, bah, c'est quoi, la zone 3? Ah bah on est dernier, déjà au dernier niveau. Bah en fait dans les temps, hein, normalement, si on s'en sort bien. Juste, je regarde, on n'a pas fait de mission en plus. J'avoue pas en avoir fait. Bah après je sais que par exemple à la ruche, on peut facilement faire des vies. Il suffit de mourir au même endroit à chaque fois pour ramasser les vies. Ça passe nickel, vu qu'ils ont l'air de les remettre comme j'ai pu le voir. Non, ça on l'a fait. Alors, en tout cas les pièces rouges, c'est de la merde, j'en ai pas vu. Ça, c'est du sandwich. J'aurais juste un mot à te dire. Régime et exercice. T'en veux trois mots. Ah. Hey. Oh. Je crois que je te dégusterai en dessert. On parle pas la bouche pleine, mon gros. C'est ça. J'ai oublié de mettre de la moutarde. Je reviens. Hey, où est-ce que tu prends aller comme ça? Mais lol. Bon, l'histoire est un peu niaise, mais les doublages passent bien, on s'y habitue en tout cas. C'est pas trop choquant, mais ça fait énormément Sonic, le dessin animé. Donc c'est pas choquant, en soi. Par contre, faudrait que je me dépêche, parce que on est en train de se faire agresser par ce truc. Mais je suis pas une myrtille. Merde, on va crever. Bon bah on saura toujours pas ce que c'est ce truc. Il y a une pièce 7 mais je l'aurai pas encore une fois. Non mais là j'ai fait de la merde. Ouais non mais vaut mieux mourir, j'ai fait de la merde, je le sens. On sent le mec qui a pas su se faire au truc. J'ai pas esquivé les pièges assez rapidement. Voilà, on prend de la hauteur. Voilà, en fait le truc c'est que des fois j'y crois pas. Ok, ça donne une vie je crois, si j'ai bien vu. Ok. Non mais ça c'est de la merde, voilà. Ça c'est de la merde ton paquet, on a raté une pièce facile. Mais non, on se moque pas de ton poids mon gros. Franchement, est-ce que c'est le joueur de la maison? Non, je crois pas. Bon, il a pas l'air de nous rattraper pour l'instant. Alors, qu'est-ce que c'est que cette merde? Vrille. C'est vrai qu'il est... Oh non, la musique horrible. C'est quoi cette horreur de musique? Bon, ça redonne, on le sait. Oh, la musique, il déconne. Ah ouais, d'accord, on peut speeder. D'accord. Je crois qu'il faut aller par là. Oh, c'est de l'horreur, cette musique. La musique de l'angoisse, merde. Alors par contre j'arrive pas à faire demi-tour, comment on fait? Voilà. Ah oui, il faut que je détruise peut-être sa truc là qui dépasse. Voilà, ok, c'était ça. Il y avait une vie, GG. Voilà, GG. Bon, c'est pas grave. Ah non, ça c'est atroce par contre cette musique.
Ça déconne grave. Oh, le massacre des oreilles. Oh non, ça les mecs, qu'est-ce qui vous arrivait pour faire ça? Non, sans déconner. Oh putain, ça fait du bien. Bon, vous aurez de la chance de pas l'entendre très fort comparé à moi, mais... Non, merde, j'avais pas vu ce petit bloc. En sérieux, c'est un massacre? Pourquoi avoir mis de la grosse techno barbare? Je veux dire, voilà, pourquoi? Bon, pour l'instant, on a raté que la première qu'on a vue, donc c'est pas trop grave. Ah mais sérieux, j'ai mal à la tête, je vous le dis sincèrement. Là, je sais pas ce qu'il aura pris, les mecs. Pourquoi pas mettre une petite musique tranquille, voilà, peut-être un peu punchy, un peu jazzy. Par contre, on a tout raté. C'est pas trop grave, il y a une pièce. Je referai peut-être ce stage, voilà, plus tard, si on a besoin des pièces rouges, je ne sais pas. Mais oui, pourquoi avoir massacré Sonic? Ah, là, je vais me casser la gueule, voilà, merci. En fait, il faut que je me remette du massacre que je viens de subir. Non, mais je le dis. D'ailleurs, c'était quand même un massacre des oreilles. Un massacre incompréhensible. Voilà, je veux dire, on peut le dire. Un massacre qui a pas raison d'être. Voilà. Ouais, d'accord, je suis tombé. Mais en même temps, je pouvais pas faire ce que je voulais parce qu'il avançait pas assez vite et il accélérait après, ce petit coup. Bah j'ai ramené les 750 rings, ce qui me donnera la vie que j'ai perdue. Bah je fais de la merde, faudra vraiment que j'aille faire un peu de vie quand même. Histoire d'être tranquille, qu'on ne soit pas à perdre du temps à recommencer un stage par exemple. Ça peut servir, mais je fais de la merde. En fait, faudrait que je l'attende avant de prendre peut-être le speed. C'est peut-être ça. Et c'est parce qu'il ralentit, il accélère. Ah oui, non, mais en plus je peux même pas. Il faudrait que j'attende là. Ouais, d'accord, mais c'est ça le problème, voilà, je me vois pas. J'ai failli refaire le même saut dégueulasse. Je le dis sincèrement. J'ai l'impression des fois de rester accroché. Alors pourquoi, je ne sais pas. En tout cas, on a beaucoup de... Ah bah voilà, je me suis fait carotter. C'est exactement ce que j'expliquais, l'écran m'a retenu. Il est un peu débile, ça accélère un peu, voilà, ça fait plaisir. Bah voilà, j'ai eu la dernière, donc il me manque juste celles que j'ai vues. Est-ce que ça casse, ça? Non, c'est bon. Ok. Ah bah c'est fini. Ah d'accord, je viens de capter l'idée. Voilà, aussi simple que ça. Ouais, non, mais si tu restes bloqué en lui, par contre, ça va pas le faire. Ah, d'accord. Ah oui, un boss mélangé avec le pouvoir. Non, mais d'accord. Si on n'a pas cette musique dégueulasse, ouais, c'est bon. Pouvoir de la vrille, pareil, qui rappelle un peu Yoshi, hein, le pouvoir de la top ou je ne sais quoi. Ce bordel, ouais. Ah oui, non, mais je viens de comprendre, j'ai fait de la merde. Pattern dégueulasse. Non, c'est bon, on revient. Mais par contre, voilà pourquoi on va se coincer en lui. Ah ben on va mourir. Voilà, non, j'avais un anneau. Va-t-il s'arrêter? Ah bah il est mort, j'ai de la chance, j'avais zéro ring. Voilà, encore un boss nul. C'est l'heure du souper. Alors peut-être qu'on les verra plus tard, parce que là franchement ils sont pas à top. Hein. Je le dis sincèrement. Voilà, c'est un peu la déception de ces boss. J'affine vos capacités, je vous équipe des robots les plus puissants que j'ai jamais créés, je vais même jusqu'à vous donner un sandwich gigantesque, et pourtant, vous me décevez. Je sais faire preuve de compassion. Ce truc ne me dit rien qui vaille. Attends une seconde. Sonic, je crois que l'arme qu'utilise Eggman, c'est...
devoir faire sans coquillage. Quelle grossière erreur. Ça m'étonnerait. Depuis quand c'est une erreur de te confisquer tes jouets? Eh bien, depuis que c'est le seul truc qui empêche si c'était en pétard de prendre le contrôle de mes robots, espèce de hérisson sans cervelle. Cet idiot paye pour nous avoir réduits en esclavage. Le Il est à l'anglais, Tails, mais j'ai pas envie que tu te fasses griller. Ouais, ce serait bien si on pouvait éviter ça. Arbat, Tsubot, au fils de camp. Oh, c'est pas vrai. J'aurais vraiment dû t'écouter, Tails. Non, sans blague. Voilà, Sonic qui a fait de la merde. Voilà, ce qui fait que Edman bah, se retrouve dans la merde avec nous. Voilà un petit retour de moment situation, les 6 Zébraïs qui s'appellent finalement les 6 Zeti. C'est quoi qui va nous donner? Je vais jeter les rings, alors je crois que ça on peut les utiliser pendant les levels. Donc voilà, les vies, genre je les mettrai. On a 17 vies, franchement c'est pas mal, hein, vu le nombre que j'ai perdu 3-4 ici là en faisant de la merde. Et donc on a fini le monde de Desert Ruin, les ruines désertiques. Et la prochaine fois on va s'attaquer à un truc voilà, tropical, un tropical coast. Les codes tropicales, ça va être sympa, je pense. Hein. Tiens, il y a encore une vie, voilà, se ramasser. De toute façon, il la met une fois celle-ci normalement. Est-ce qu'il y a notre copain, tiens? J'ai pas fait gaffe. Ah oui, il est là. On va reprendre la dernière quête. On est dans les temps, on a fini un monde en 30 minutes à peu près. Après, il y a les cinématiques, si on les enlève, on a fait le tour en 25 minutes, je pense. Ça me paraît pour l'instant un peu court pour les mondes. Mais voilà, voilà. Donc c'est là-dessus qu'on se quitte. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Ce sera un let's play que je mettrai, je fais un petit peu en avance, voilà, 10 jours d'avance, peut-être 2 semaines, que je mettrai pendant les vacances de Pâques à peu près. Vu que comme d'habitude, je ne tourne pas de vidéo pendant les vacances, je profite pour me reposer un peu. Voilà, donc merci à vous. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. J'espère que vous passerez un bon moment en ma compagnie. Voilà, passez de bonnes vacances pour ceux qui le sont. Ciao, ciao tout le monde.